Pourquoi l'intelligence artificielle et la souveraineté? L'idée de cet atelier est venue de la lecture du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, qui évoque le concept de souveraineté pour désigner finalement l'ensemble des mesures qui devraient être adoptées pour protéger l'intelligence artificielle française, à côté d'autres intelligences développées par d'autres États, notamment les États-Unis. Or, pour les juristes, la notion de souveraineté est totalement différente. Il a paru donc intéressant de croiser ces deux perspectives et de se poser la question de savoir comment le droit pouvait prendre en compte ce que les non-juristes appelaient la souveraineté à l'ère numérique et particulièrement dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc le premier objectif de cet atelier sera de clarifier la notion de souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Le second objectif, c'est de traiter d'un thème particulier qu'est la sécurité nationale. Dans le rapport Villani, finalement, la souveraineté est traitée dans une logique de protection. Et donc la sécurité nationale était un thème intéressant à traiter pour correspondre à cette idée de protection. On verra comment l'intelligence artificielle est utilisée dans le domaine militaire, avec ce caractère dual de l'outil numérique, à la fois civil et militaire, et qui appelle l'application de corps de règles différents. Et on partira d'un cas pratique présenté par l'un de nos partenaires Matrice sur la reconnaissance d'images maritimes pour soulever les problématiques qui peuvent être posées dans ce domaine, notamment les questions d'accessibilité des données, de responsabilité, et on se demandera quels sont les meilleurs instruments pour réguler l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité nationale. Donc, c'est dans le cadre d'un dialogue entre praticiens et universitaires qu'on pourra clarifier la notion de souveraineté et parler de la sécurité nationale dans le cadre plus large d'un projet de recherche sur l'intelligence artificielle porté par la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'université Paris-Descartes avec le soutien de nos partenaires, la ville de Malakoff et la ville de Vanves.